Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le leader Daniela Guis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification pour recevoir encore plus de vidéos. Alors les amis, je suppose que vous connaissez plutôt CryptoTab. CryptoTab est un logiciel que j'utilise depuis 2018. C'était quoi le fonctionnement de CryptoTab? C'était de partager le lien et ensuite vous devez être récompensé en Bitcoin. Bon, cette année-là, je n'étais pas trop dans les crypto-monnaies. Je ne connaissais pas trop de quoi il s'agissait. Voilà, donc je négligeais un peu parce que je ne connaissais pas ce que c'était le Bitcoin, ce que c'était les crypto-monnaies. Je ne connaissais pas, mais pourtant, j'étais quand même dans ce navigateur-là qui disait que vous pouvez gagner de l'argent en surfant. Si vous utilisez le navigateur en allant sur Facebook, sur Instagram, sur Google, si vous utilisez, vous gagnez des BTC. Voilà, donc tout ça, je ne comprenais pas toujours. Maintenant, c'est quand je me suis lancé dans la crypto-monnaie que j'ai compris ce que c'était le BTC et tout. Maintenant, bon, j'avais déjà abandonné ce navigateur-là. Et bon, un ami m'a recontacté pour me dire que, Daniela, ce navigateur-là est super, il est vraiment super et ça paye réellement. Parce que moi, j'avais déjà abandonné, parce que j'avais fait plusieurs transactions et c'était jamais arrivé. Mais c'était jamais arrivé parce que quand je créais à chaque fois une blockchain, je ne savais pas ce que c'était. Moi-même, je créais juste pour créer, je ne savais pas. Et j'ai fait plusieurs transactions. On m'a dit que c'est terminé, mais à chaque fois, j'oubliais les mots de passe de mes portefeuilles. Donc, du coup, en fait, en un mot, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Voilà, je ne savais pas. Maintenant, là, je sais de quoi il s'agit. Et lorsque mon ami m'a recontacté, vu que c'était dans mon téléphone, c'est dans mon téléphone depuis bien longtemps. Voilà, donc je me suis reconnecté et j'ai vu que j'avais pratiquement 8 $ BTC dans mon compte. On va aller sur le tableau de bord. Voilà, j'avais 8 $ BTC que j'ai retiré depuis juin, mais je pense qu'il manquait quelque chose pour pouvoir valider la transaction. Et ce n'est que hier que je me suis connecté. Lorsque je me suis connecté, j'ai relancé la transaction. Une fois que j'ai relancé la transaction, et voilà, ce matin, j'ai reçu les gains. Voilà les amis, donc CryptoTab, c'est un navigateur qu'on a négligé depuis, on disait que ça ne payait pas. Même moi-même, j'étais déjà sceptique face à cette application-là. Mais mon ami en question m'a montré les preuves de retrait. Et moi, je vais aussi vous montrer la preuve qu'ils m'ont payé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils m'ont payé. Et voilà quoi, c'était vraiment... Même si c'était 8 $, j'étais quand même contente parce que ça faisait longtemps que j'utilisais ce navigateur et j'avais abandonné parce que je voyais pas l'utilité. Mais aujourd'hui, j'ai reçu les 8 $. On va aller voir au niveau des transactions. Vous allez voir. Au niveau des transactions. Vous n'avez pas là. On me dit je n'ai pas assez. Voilà, parce que le minimum, c'est 0,0001 BTC. On va aller à l'historique de paiement. C'est vraiment un navigateur super. Mais beaucoup de gens l'ont négligé parce qu'on n'avait pas d'informations. Et c'est ça, c'est l'information qui fait défaut. À cette époque-là, on n'avait vraiment pas d'informations sur les crypto-monnaies. Bon, il y avait ceux-là qui étaient déjà avancés, mais en Afrique, je ne pense pas qu'on était trop dans les crypto-monnaies. On n'était pas dans les crypto-monnaies, on n'était pas avancés. Voilà, vous voyez les transactions. Là, c'est une transaction que j'ai effectuée jeudi 24 juin.
Et ce n'est que lorsque j'ai effectué la transaction, je n'ai pas cherché à bien faire la transaction en fait. Ce n'est que hier que je me suis relancée dans mon téléphone et j'ai regardé et j'ai confirmé l'adresse encore. Et c'est ce matin-là que j'ai reçu le paiement. Voilà, vous avez vu les transactions que j'ai déjà effectuées en 2019. Vous voyez, 2019, j'avais effectué, mais c'était arrivé dans mon portefeuille, mais je n'avais pas de portefeuille fixe en fait. J'avais pris juste une adresse comme ça pour mettre juste comme ça en fait. Voilà, donc les amis, c'est vraiment un bon plan. C'est vraiment un bon plan. C'est juste un navigateur qui vous permet de surfer et en surfant, vous gagnez des BTC. Mais même si ce n'est pas grand-chose, vous voyez que c'est depuis 2019 que j'ai installé ça dans mon téléphone. Mais je l'avais sur le PC. Mais bon, après, j'avais perdu le mot de passe et tout le reste. Voilà. Donc, c'est plutôt un bon plan. Ça va quand même. Même si il faut vraiment avoir de la patience pour faire ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir le tableau de bord. Vous voyez combien de personnes j'avais mis total de et combien de mineurs. Voilà, c'est juste vous miner. Vous miner, voilà. J'ai quand même un bon niveau. C'est depuis 2018 que j'ai laissé ce logiciel. Depuis 2018, mais je ne connaissais rien en crypto-monnaie. Vraiment, l'information est vraiment importante. Voilà. Voilà le lien. Vous pouvez prendre ce lien-là pour vous inscrire. Je vais vous laisser le lien dans la description. Voilà, vous pouvez partager votre lien. C'est le but, vous partager votre lien partout sur les réseaux sociaux. Voilà, par la suite, je vais vous montrer la preuve de paiement qui est arrivée dans mon portefeuille Coinbase. Vous allez voir, les amis, c'est un bon plan et vous pouvez miner et partager votre lien avec vos amis et vous pouvez surfer. Si vous surfez juste avec le navigateur en allant sur YouTube, en allant sur Facebook, en allant sur Instagram, Google, vous avez des points. Voilà, donc c'est un peu ça, les amis. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était cette bonne idée-là que je voulais partager avec vous ce matin. Comme je dis toujours, ma chaîne, c'est Argent en ligne. Tout ce qui concerne l'argent en ligne, on en parle ici. Alors, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!